Hello tout le monde, c'est Mani. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo où je parle directement, où ce n'est pas une série, ou même où il n'y a pas que des images. Voilà, ça faisait longtemps, je suis très excitée, je suis vraiment à fond, je suis motivée pour cette vidéo, je sais, bah justement parce que ça fait longtemps. Donc il s'agit du tag « Je tue des schlécheuses ». Je ne sais plus par qui il a été créé, j'ai pas révisé. Pour ce tag, je n'ai mis que des gens d'Instagram, dont vous les connaissez parce que la plupart ont des chaînes YouTube. Ce n'est pas des pseudos inconnus que, dont vous n'avez jamais entendu parler, enfin il y en a 2-3 en tout cas, je l'espère. Donc on va commencer, j'ai mis les pseudos de plusieurs personnes là-dedans. Alors vous voyez, j'ai mis ce truc là parce que en fait la barrière va pas jusqu'au bout. Donc alors là je ne vois absolument pas ce que je pioche, hein. J'ai pas du tout expliqué le concept en fait. Alors donc très rapidement, le concept de ce tag, c'est j'ai des noms de schlécheuses et de schlécheurs dans mon petit bac juste au fond. J'en pioche 3 et parmi les 3 je dois choisir la personne à laquelle je me marie, à laquelle je me désabonne et à laquelle je tue. Voilà, c'est très, très simple, très rapide, et je vous laisse donc reprendre la vidéo. Alors, j'ai tiré. Oh là là, la mise au point. Attendez. Même moi, j'arrive pas à lire. JTD Eros. Dokoto, alias Dakota sur YouTube. Et Yerling Schlesch. Alors, donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que malheureusement je vais tuer Yerling Schlesch parce que c'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que tu es la personne à laquelle j'ai le moins parlé, même si je pense que je n'ai presque jamais parlé à JT Deros. Mais c'est surtout que donc tu es l'une des personnes à qui j'ai le moins parlé, à qui je connais le moins le travail, même si j'admire beaucoup tes photos. Donc je suis désolée Yerling Schlesch, c'est la mort. Ensuite, est-ce que... Ah non, je peux pas me désabonner. Oh, si Dokoto, je peux me désabonner d'elle. Enfin, je l'aime pas. Je pense que comme je vais être sympa, je me désabonne de JTD Eros et je me marie avec Dokoto, même si je serais très triste de m'être désabonné de JTD Eros parce que j'adore ces séries. Voilà. Alors, les 3 prochaines personnes. 1, 2 et 3. Alors, nous avons donc Arphonie. Et Wing YouTube et Clan du Torrent LCDT. Alors on ne voit pas le T, j'avais pas la place, donc ce dos est beaucoup trop long. Alors oui, c'est du recyclage de cheval parce que j'ai pas 30 000 flèches sous la main, donc je crois que c'était pour JT des Héros que j'avais mis celui-là. Voilà, j'ai pas 38 000 flèches sous la main, donc je fais avec ce que j'ai. Hein. Alors donc parmi ces 3 personnes, ça va être compliqué encore. Je pense que je vais tuer... Vraiment, là, je dois avouer que c'est compliqué, je sais pas trop qui tuer. je pense que je vais tuer Arphonie, même si j'aime beaucoup ce qu'elle fait et que je trouve que c'est une personne très drôle. Mais je la tue parce que c'est sûrement avec elle que j'ai le moins parlé. Je me désabonne d'Eowyn YouTube. Je me désabonne donc d'Eowyn YouTube. Je suis très désolée parce que... je pense que j'ai beaucoup plus parlé au clan du Tron qu'à toi. Même si je t'apprécie beaucoup et que tu es une personne très gentille. Et donc je me marie à Clan du Tron, voilà. En plus je crois que dans son tag, elle s'était mariée avec moi. Donc on va dire que c'est également une des raisons pour laquelle je me marie avec elle. Et j'aime beaucoup son travail également. Alors, je crois que c'est le 3e tirage. 1, 2, 3. 1, 2, attendez, 3. 3. Première personne, Loris Modelors. Deuxième personne, Scaramor. Troisième personne, Malika Modelors. Beaucoup de Modelors dans ce tirage. Alors, donc, parmi ces personnes, il n'y a aucune des 3 personnes qui j'ai spécialement beaucoup parlé, mais ces 3 personnes à qui j'admire le travail, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Les 3 font des customs. Les 3 font des photos. Je pense que je vais tuer Loris Modelors. Désolée, mais c'est une des personnes vraiment à qui je n'ai presque jamais parlé. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je me désabonne de Malika Modelors, même si je trouve qu'elle a fait un travail formidable avec l'association. Elle fait un travail global génial. Et je me marie à Scaramore parce que j'aime beaucoup les customs qu'elle fait. Ils sont super beaux. Elle en a fait un et je me semble qu'il s'appelle Kobe. Il est magnifique. Il est sur le moule du camarier. Et donc voilà. Puis je pense que si je me trompe pas, on s'est déjà un peu parlé. Donc voilà, je me marie à toi, Scaramore. Alors, prochain tirage. Il me semble que c'est le 4e. J'espère que je ne me trompe pas. 1,
Bah, il y en a beaucoup qui sortent là. 1, 2, 3. Alors, nous avons Artwen. La Contrée d'Argent. Alors, on voit vraiment pas... J'avais vraiment un papy hyper petit hein, pour son pseudo. Vavashlech. Alors là, je dois avouer que ça va être encore sûrement plus compliqué qu'avant parce que c'est trois personnes avec qui j'ai déjà parlé, qui j'admire le travail, mais vraiment à 300%. Artwen, c'est custom, je le trouve magnifique, j'en ai d'ailleurs acheté un. Vavashley, je suis une personne que je suis depuis Skyrock, donc ça fait vraiment longtemps. Et je crois bien que c'est au début, c'était l'un de mes modèles photos et je crois que ça l'est toujours, je trouve ces photos vraiment magnifiques. Et la Contrée d'Argent, c'est une personne super gentille, qui fait des photos magnifiques aussi. Ouh, ça va être compliqué. Alors, et j'ai vraiment envie d'en tuer aucune, hein. Je pourrais même me désabonner, je sais pas. Bah, je pense que je vais tuer Vavashlech, même si j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est juste parce que je crois que des trois personnes, celle à qui j'ai le moins parlé, mais... Ah, ça me... j'ai même pas envie de la tuer. Ah non, attends, j'ai dit la tuer, pas me désabonner. Elle est morte. Hop, oh, dégomme pas tout le monde. Alors maintenant, par contre, qui je dois me désabonner? Bon, je pense que je vais me désabonner de la Contrée d'Argent, même si je l'apprécie beaucoup. Je la trouve très gentille. Et je vais me marier à Artwen parce que son custom est magnifique. Je l'aime d'amour, ce custom, vraiment. Il est génial. Ah, c'était trop horrible, vraiment, j'ai pas envie. J'ai envie de ressusciter ma vache lèche et me réabonner à la Contrée d'Argent. Donc, prochain tirage. Ah, il en reste plus beaucoup. 1, 2... Et oula. Et 3. Alors nous avons Sunday Schlesch. Model Picture. Model Picture. Oh mon anglais il est vraiment à chier. Et nous avons Lumbella Picture. Alors beaucoup de pictures dans ce tirage hein, visiblement. Alors donc pour ce petit tirage. Je pense que je vais tuer Lumbella, même si je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une personne très gentille également que j'ai déjà rencontrée au vrai au Salon du Cheval. Et qui est également une personne très drôle et j'adore aussi son Instapony Vivicomte. Mais bon, je sais vraiment pas pourquoi je te suis, hein. Je suis désolée, c'est... je sais pas. Je pense que je vais me désabonner de Sunday Schlesch, même si je pense que j'ai plus parlé de Lumbella. Mais on va dire que... Non, bah, c'est pas pour le travail, parce que Lumbella fait des photos super. Mais c'est parce que c'est parce qu'elle adore les fjords et que... Oh, elle fait des customs, mais ils sont magnifiques et des drastiques, quoi. Oh là là. Chaque fois que je vois ça, et bah, je suis jalouse. Je jalouse également sa conga line de fjord. Donc c'est pour ça que je me désabonne d'elle. Très bonne raison d'ailleurs, j'aurais peut-être même pu la tuer pour ça. Ouais d'ailleurs en fait non, je me désabonne de Lumbella parce que j'aime beaucoup son travail. Et je tue Sunday Schlesch parce que elle a une conga de fjord vraiment trop top et je suis jalouse. Voilà, raison du meurtre, jalousie. Et je me marie donc à Model Picture parce que je suis ambassadrice de cette boutique. Et que ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Je dois vous avouer que j'ai été surprise. J'avais participé à un de ces concours que j'avais gagné et j'avais reçu des créations. Et j'étais vraiment surprise. C'était super belle, super bien faite. Ça a été envoyé super rapidement. Donc bah voilà, je vous conseille cette personne puisque je suis ambassadrice de cette boutique. Et donc, avant-dernier ou dernier tirage? Peut-être dernier. Non, avant-dernier. 1, 2, oh il en reste. Alors donc nous avons Swappy Picture ou Swappy Schlesch sur YouTube, NXL Schlesch, CFH Modelors. Alors, que dire? Alors là je dois vous avouer que c'est complexe. Je pense, encore une fois, je pense que j'ai dit beaucoup je pense. Je crois bien que je vais tuer Swappy Picture. Attendez, hop, décale-toi NXL. Comme ça, ça fait une collection Schlesch à voler. Et je vole sa collection au passage, en même temps que je la tue, voyez-vous. Je me désabonne de CFH Model Horse, même si j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses créations, elles sont très très belles. Et je me marie à NXL Schlesch, parce que des trois personnes, c'est celle à laquelle j'ai le plus parlé, qu'elle est très gentille, qu'elle aime bien Hunter Hunter, et que bah, elle fait un travail top. Moi j'adore sa série, donc je vous conseille tout de suite d'aller voir. Voilà, voilà. Attention, dernier tirage. Alors, nous avons donc... Bout de ficelle Schlesch, Sberto Picture, Loustique et Lucie. Alors, je pense que je vais tuer Sberto Picture. Je suis très désolée. Et je crois que la jument Camargue, j'ai dû la mettre trois fois dans le tag, trois fois elle est morte. Je suis désolée, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais il me semble pas qu'on se soit déjà spécialement parlé. Je vais me désabonner. De Loustique et Lucie. Hop, demi-tour. Même si j'aime beaucoup son travail, mais bon, je me désabonne, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Et je vais donc me marier à Bout de Ficelle Schlesch parce que je trouve qu'elle innove beaucoup dans,
dans ce qui est Schleck, même si en ce moment elle est pas très active. Mais en plus de ça, elle est très gentille et voilà, voilà. Donc je me marie à bout de ficelle flèche. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis vraiment éclatée à la faire. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça, comme je l'ai dit en début, et ça m'avait manqué. Et vraiment, je me suis éclatée là. Donc je suis désolée pour les personnes que j'ai tuées, hein. C'est bien évidemment faux, ces personnes ne sont pas mortes, je vous l'assure. Pareil pour les personnes dont je me suis désabonnée de votre chaîne, ce n'est pas le cas réellement, je reste toujours abonnée à votre chaîne et à votre compte Instagram. N'ayez crainte. Je suis également désolée pour les gens qui n'étaient pas dans ce style, mais comprenez bien que je ne peux pas mettre tout le monde, sinon ça durerait une éternité. Donc voilà. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, donc mon compte Insta a changé de nom, il s'agit désormais de Rechlech. Voilà. C'était vraiment sur un coup de tête, il est d'ailleurs possible qu'un jour ça se rechange en 2025, on ne sait jamais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, en disant, attendez, on va faire... N'hésitez pas à commenter quel est votre schlécheur ou schlécheuse préférée en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, j'espère que, enfin j'espère vous dire à bientôt et que très bientôt il y aura encore une vidéo genre tag, une vidéo où je parle, une vidéo cool comme ça, plutôt qu'une série, même si j'adore faire des séries, mais je comprends que tout le monde n'aime pas. Et je vous dis donc bah quand même à bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde!